Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top et flop spécial bis maquillage. Alors, si vous ne connaissez pas ce site, c'est un site qui propose du make-up à petit prix. Et j'avais déjà quelques produits de la marque que j'avais acheté anciennement pendant des soldes ou des choses comme ça et que j'ai testé comme par-ci, par-là. Et dernièrement, en fait, ils ont fait une promotion où ils vendaient beaucoup de leurs produits à 1 €. Alors en fait, ce site-là propose du make-up pas cher. Il y a plusieurs petites marques. Il y a la marque Bis Maquillage, bien évidemment, mais il y a aussi du LOL. Il y a aussi la marque Belle. Et là, il y a une toute nouvelle marque qui vient d'arriver sur le site. J'ai pas retenu le nom. Je vous le mettrai en incrustation si je retrouve. Enfin, je vais retrouver de toute façon. Et du coup, j'ai profité de cette offre où il y avait beaucoup de choses à 1 € pour compléter un petit peu mes produits et faire un véritable test. J'ai bien tout testé pendant plusieurs jours avec plusieurs applications et je vais vous dire ce qu'il ne faut absolument pas acheter. Ce que vous pouvez acheter éventuellement, après ça ne me correspond pas forcément, mais c'est pas forcément des mauvais produits. Et il y a eu des petits coups de cœur également, donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Si vous aimez ce genre de revue et que vous aimez le make-up à outrance, comme moi, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, on parle make-up très régulièrement. Actuellement, je suis sur YouTube 4 fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. N'hésitez pas à activer la cloche de notification si jamais il y avait des petites vidéos bonus. Et voilà, let's go! Alors on va commencer par les flops ce test. Le premier étant un vernis à ongles. Donc moi j'ai pris une teinte comme ceci. Ce sont les vernis à ongles gel, enfin soi-disant, il s'appelle Gel Like. J'ai pris une teinte assez nude, comme ça je me suis dit ça passera. Ça, à fuir. Même si ça n'est que 1 €, il faut fuir absolument ces vernis. La première des choses, c'est qu'il faut au moins 3 couches pour avoir une opacité. Ensuite, on voit des stries, en fait, quand même avec 3 couches, on voit des stries. Le vernis est très liquide, en fait, donc très transparent, très liquide, et du coup, ça fait des stries. Donc ça, c'est juste pas possible au niveau des rendus. Et la dernière chose, bien évidemment, ça ne tient pas. Donc cela dit, au bout d'une demi-journée, j'avais déjà des éclats. Donc ça vraiment, c'est pas la peine. Si vous voulez des vernis pas chers, il y en a bien d'autres ailleurs. Limite, mettre un petit peu plus cher à 2-3 € pour avoir quelque chose qui tient, c'est quand même mieux. Les autres produits à éviter, ce sont les crayons pour les yeux. Alors, j'en ai testé plusieurs sortes. J'ai testé ceux de la marque LOL qui sont censés être des longues tenues. Donc, ce sont des formats automatiques. Donc, j'ai pris un noir classique et ça ne marque pas. C'est vraiment une catastrophe, ces crayons. Ça ne marque pas. Et j'ai limite eu l'impression que ça me piquait un petit peu les yeux. Donc, ça, je ne vous le recommande absolument pas. Après, dans la marque Bis, il y a 2 sortes de crayons. Enfin, non, il y en a plus que ça. Mais j'ai essayé le Kohl Eyeliner Pencil. Donc, qui se présente comme ceci avec un capuchon taille crayon. Pareil, j'ai pris le noir et là encore, c'est très décevant. Ça marque pas trop dans la muqueuse, c'est pas terrible. Il faut aussi, c'est pas très très gras, donc il faut vraiment le travailler beaucoup. Et là, du coup, c'est pas le produit en lui-même qui irrite, mais c'est le fait de frotter votre muqueuse à plusieurs reprises. Je l'ai essayé également au ras de cils et là encore, ça ne fonctionne pas terrible terrible. Et pour finir, en fait, le taille crayon qui fonctionne, hein, le taille crayon fonctionne, mais ça ferme pas bien. Donc ça, j'imagine que c'est un truc à sécher encore plus la mine du crayon. Et ensuite, on a les crayons, donc Kohl, de couleur. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas acheté. C'est celui que j'avais eu dans le swap de l'enfer avec Tortue Beauty. Et c'est le 3-en-1 Miracle Pencil. Et en teinte light, et on était d'accord toutes les deux que le miracle, on peut toujours l'attendre parce qu'il ne se passe rien quand on utilise ce crayon. Donc c'est pareil, dans la muqueuse,
n'y a rien qui s'installe sur la muqueuse. Et en crayon, à la limite, liner, etc. Bon, déjà, c'est une couleur assez claire, donc ça ne fonctionne pas des masses. Et la texture est assez sèche, donc on n'arrive pas à avoir quelque chose de opaque sur la paupière. Et moi, j'avais la couleur, donc là, c'est le Kohl Eyeliner Pencil, tout court. J'avais la teinte Hot Pink, rose vibrant. Et bah, c'est pareil, quoi. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne comme ça quand on le swatch, mais c'est une mine assez sèche. Donc sur l'œil, ça a du mal à accrocher. Et donc du coup, c'est pas un bon produit. Je vais ensuite vous parler d'une palette. Alors, ils ont énormément de palettes. Pas beaucoup de palettes à 1 euro, bien évidemment. Mais ils ont des palettes. Alors, les palettes sont à peu près aux environs de 12 euros. Ce sont des grandes palettes. Et il y a plusieurs sortes. Je vais vous parler de plusieurs sortes de palettes dans cette vidéo. Celle qui m'a le plus déçue, c'est celle qui s'appelle la Face Palette, la Peach Palette. Face Palette Peach, exactement. Donc, où vous retrouvez en fait des produits pour le teint, des fards à paupières, des glitters et des rouges à lèvres. Donc, elle se présente comme ceci. J'avais commencé un make-up plutôt sympathique avec les fards à paupières. Les fards à paupières ne sont pas de trop mauvaise qualité. Par contre, j'ai voulu bien évidemment tester les paillettes qui sont sur le côté. Et alors là, catastrophe. Ce sont des paillettes, donc avec un liant très très gras. Et du coup, ça foire tout le make-up. Donc, même en mettant une glitter glue en dessous, en fait, quoi qu'il arrive, ça fait filer les fards qui sont en dessous. Donc bien évidemment, les paillettes sont inutiles. J'ai essayé les rouges à lèvres, même si je ne suis pas fan des rouges à lèvres dans les palettes comme ça multifonctions, mais je les ai essayés. Ils ne sont pas trop mauvais, ils sont en tout cas assez pigmentés. On arrive à avoir une couleur sur les lèvres. Je ne suis pas contre les palettes de rouge à lèvres. Mais je pense qu'il faut mettre un petit peu le prix, entre guillemets, pour avoir de bons produits en palette. Et concernant cette petite partie pour le teint, alors j'ai commencé à utiliser le contour, le bronzer. Jusque-là, pas trop de mauvaises surprises. Les textures sont un peu poudreuses, mais ça fonctionne, ça se travaille relativement bien. J'ai même essayé un petit peu la poudre là. On va dire poudre de finition, poudre illuminatrice. Pour le contour, ça fonctionne. Mais alors, quand on s'attaque au highlighter, déjà, je ne sais pas si vous allez voir, mais il est très très jaune. Et alors, la texture est assez épaisse. Ça marque tous les grains de peau. Et c'est une catastrophe. Alors oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que la couleur des rouges à lèvres, personnellement, je n'aime pas. On a un bois de rose, bon, le bois de rose, encore ça va. Le rouge est vraiment pas flatteur. C'est un rouge assez clair, mais du coup pas très flatteur. Et le rose, c'est un rose Barbie. Donc voilà, on a vraiment pas de quoi nous faire frétiller dans cette palette. Donc je ne vous la recommande absolument pas. Ensuite, dans les flops, j'ai essayé une petite palette qui s'appelle la Ultra Glow Palette, donc qui se présente comme ceci et qui propose 4 enlumineurs. C'est la numéro 1, la Stargazer. Et je dois avouer que les textures ne sont pas. Alors, c'est assez poudreux, mais encore, c'est comme dans la palette Peach, les textures sont très très épaisses, donc du coup ne se fondent pas très bien sur la peau et les couleurs ne sont pas très très flatteuses en fait. Ce ne sont pas des jolies couleurs. Le jaune est encore très jaune. Les deux, éventuellement les deux couleurs du milieu pourraient passer, mais le highlight est pas très joli. Donc ça, je ne vous recommande pas. Dans les highlighters, j'ai également essayé le Strobing Stick Illuminate. Donc ça se présente en petit crayon comme ça. C'est pas un bon produit dans le sens où déjà l'highlighter est assez grossier d'une part. Mais même si on le travaille un petit peu, la texture n'est pas grasse. Par contre, ça c'est le seul avantage, c'est que la texture n'est pas grasse. Et donc du coup, ça ne fuit pas, ça tient relativement bien. Mais quand on le travaille un peu, c'est assez blanc
pour le coup, et c'est pas très flatteur, ça... Enfin, voilà, c'est pas terrible, et d'autant plus que le format crayon comme ça pour un highlighter, je suis vraiment pas fan, parce que à l'appliquer comme ça, c'est épais, on peut pas trop le travailler avec un pinceau. Je préfère largement les formats stick, en fait, où on a un embout beaucoup plus large et où on peut effectivement le travailler au pinceau, au stippling brush, etc. Là, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas du maquillage petit prix intéressant. Une autre déception aussi, alors j'ai testé les pinceaux et la plupart pour 1 euro. Alors ils ne sont pas forcément à 1 euro, mais moi je les ai achetés à 1 euro lors de ma commande. Et franchement, quand vous arrivez à les avoir en promo à 1 euro, ça peut valoir le coup. Sauf celui-ci en fait, qui est un estompeur légèrement biseauté. C'est la gamme White en fait, parce qu'ils ont plusieurs gammes. Et celui-ci, alors il n'est pas mauvais en soi, mais il est pourtant bien coupé, mais il est très très peu dense. Et voilà, au niveau des fibres, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins, enfin de moins bonne qualité que les autres, alors que les autres sont au même prix, etc. Donc évitez, si vous achetez des pinceaux chez Biss Maquillage, évitez la gamme blanche. On va maintenant passer aux produits qui, ma foi, ne sont pas des coups de cœur, mais pour le prix, font quand même leur job. Alors, j'ai voulu tester une poudre. Je voulais pas une poudre libre, je voulais vraiment une poudre compacte parce que je voulais surtout voir ce que valaient les poudres à 1 euro. Donc, j'ai pris une petite poudre, comment elle s'appelle? La Face Powder, tout simplement. Donc, c'est une poudre matifiante, normalement, de la marque LOL. Et que j'ai pris en Very Light. Alors, c'est effectivement pas une poudre extraordinaire, mais pour le prix, je trouve qu'elle fait relativement bien le job. Elle matifie correctement, après, sur la durée, tout au long de la journée, peut-être pas, mais elle fait le job. Elle n'est pas trop, trop épaisse. Franchement, je m'attendais, en essayant ce genre de produit, je m'attendais à avoir un teint cakey. Et non, pas trop. Franchement, ça se travaille relativement bien. Elle n'est pas trop poudreuse. Elle est assez fine et elle n'est pas trop blanche sur le visage. Donc ça, d'accord. Par contre, le packaging, bah, c'est vraiment du cheap de chez cheap. Le clip ne fonctionne plus. Voilà. Après, ça reste du maquillage à 1 euro. J'ai testé un autre trio de highlighters, donc toujours dans la marque Biss, qui se présente comme ceci. Et là, c'est le 01, le Illuminate. Alors, celui-ci se compose de deux highlighters et d'une poudre illuminatrice mate. Celui-ci est quand même moins cakey que l'autre. Les couleurs sont un petit peu plus naturelles et donc, du coup, ça passe à peu près. Mais alors, je ne sais plus si c'est 1 euro. Pour 1 euro, ça va, mais n'achetez pas ce trio pour plus que ça parce que voilà, il en existe des beaucoup mieux. J'ai pas en tête, mais chez Revolution par exemple, vous pouvez avoir des super trios d'highlighters pour pas trop trop cher dans la section solde, etc. Donc ça, voilà, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Un produit qui pourrait être bien, mais qui m'a déçue. Il s'agit en fait de l'Autobrow Pencil de la marque Biss, donc qui se présente comme ceci. Nous avons d'un côté le fameux crayon à sourcils. La couleur était sympa, je l'ai prise en teinte brown. Et nous avons un petit peigne, un mini mini peigne, comme ceci, avec également le taille-crayon. J'aime la couleur. Maintenant, je n'aime pas le petit peigne qui, franchement, ne sert à rien. Et en fait, le packaging n'est pas terrible. Quand on enlève quand on veut enlever le capuchon du petit peigne, en fait, on a souvent le truc pour tailler qui sort avec. Mais
L'inconvénient de ce crayon à sourcils, c'est qu'il est extrêmement gras. Alors, extrêmement pigmenté, mais extrêmement gras. Et donc, du coup, quand vous l'appliquez, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, beaucoup. Se concentrer éventuellement sur le centre du sourcil et après venir le travailler au goupillon. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que la première fois que je l'ai utilisé comme un crayon normal, j'en avais partout. Et parce que c'est vraiment une texture crème très, très fuyante. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça n'est pas sans transfert. Donc, la première fois que je l'ai utilisé seule. J'en avais déjà mis un petit peu trop, mais voilà, dès que je touchais mes sourcils, j'en avais sur les doigts, ça transférait sur les côtés. C'était pas terrible, terrible. J'ai trouvé une solution pour l'utiliser en fait en utilisant la poudre matifiante LOL. Ça, c'est une petite astuce effectivement pour fixer votre maquillage des sourcils si vous utilisez un crayon gras ou une pommade et que vous voulez vraiment que ça tienne. Il suffit juste en fait de tapoter votre sourcil avec une poudre transparente. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup, le travailler au goupillon qui n'est pas fourni avec le crayon et en plus le fixer parce que sinon c'est pas possible. Donc ça, techniquement, c'est pas impossible à utiliser, mais c'est franchement pas le meilleur crayon à sourcils que j'ai utilisé. Je vais vous parler maintenant des produits pour les lèvres et j'ai acheté deux produits pour les lèvres. Un produit, donc un liquide mat qui se présente comme ceci. C'est le Velvet Lips. Donc ça c'est pareil, je l'ai eu à 1 €, mais ils ne sont pas vendus à 1 € à la base. Mais je voulais justement tester la qualité des rouges à lèvres liquides de chez Biss. Alors, c'est pas un top, c'est pas un flop. C'est-à-dire que ça fonctionne relativement bien, mais à condition d'en mettre beaucoup. L'applicateur est pas terrible, terrible. En fait, il est très très long et très très fin. Alors, la texture est fine. Heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que justement, comme il faut en mettre deux couches, voilà, pour avoir un joli rendu, il faut en mettre deux couches. La première fois que je l'ai testé, j'en ai mis qu'une couche et on voyait en fait la lèvre en transparence un petit peu. En fait, c'était pas vraiment opaque, c'était pas super, super joli. Par contre, quand j'en mets deux couches, c'est vraiment là que l'intensité est là et du coup le rendu est beaucoup plus joli. C'est une couleur foncée, donc ça se dégrade forcément au centre des lèvres. Là d'ailleurs je commence à voir que ça se dégrade, mais en même temps c'est souvent le cas avec des rouges à lèvres foncés. La bonne nouvelle c'est que vous pouvez en remettre parce que comme ils sont assez fins, même si vous en mettez deux couches, c'est assez fin. Donc si vous voulez en remettre, vous pouvez en remettre sans que ce soit moche, sans que ça fasse des pâtés sur les lèvres, etc. Je l'ai porté plusieurs jours d'affilée, j'ai pas trouvé que à la longue ça m'a séché les lèvres plus que ça, en toute honnêteté. Autre chose aussi, donc vous pouvez remettre le même. Et une fois, j'ai aussi, donc il s'était quand même bien barré au bout de quelques heures quand même, hein, donc ça va, c'est correct. Et en remettant en fait un rouge à lèvres plus crémeux ou alors je l'avais fait aussi avec un semi-mat d'Huda Beauty, ça se refond très très bien et du coup ça redonne un petit peu vie au rouge à lèvres pour la deuxième partie de la journée. Le deuxième produit lèvres que j'ai testé, ce sont les matte lipsticks. Donc là, pour le coup, on est sur un format raisin. Là encore, je dirais pour 1 €, c'est pas trop mauvais. La couleur est très jolie et très intense. On a vraiment une belle opacité très rapidement. Ça glisse assez bien. C'est confortable. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ceux-là sont sans transfert. Ça, c'est encore un bon point également. Ils ne transfèrent pas. Celui-ci, bien évidemment, transfère puisque c'est un rouge à lèvres raisin. Mais le rendu est plutôt pas mal. Après, la tenue n'est pas excellente. C'est vrai que pour un mat, la tenue n'est pas excellente. Mais ça tient relativement bien et ça s'estompe relativement bien aussi. Donc, voilà, on est sur du 50-50 pour les produits lèvres que j'ai testés. Dans les produits qui fonctionnent, mais franchement, je n'ai pas eu de coup de cœur, je vais vous parler de deux mascaras. Alors, le premier, c'est le Max Volume Lash, donc ce gros mascara qui a une brosse, je dirais, énorme.
Et à côté, nous avons le Super Slim Mascara qui est tout petit et dans la brosse est toute petite. Donc, autant vous dire que j'ai testé les deux extrêmes de la marque. Je dirais que les deux fonctionnent plutôt bien dans l'ensemble. La seule chose, c'est que le Max Volume ne donne pas tant de volume max comme son nom l'indique. Et j'ai une petite réserve également sur le travail des cils, parce que je trouve qu'il ne gaine pas assez le cil. En fait, la texture est quand même assez liquide. C'est le genre de mascara qui peut être... en vieillissant, sera mieux. Je pense que c'est ça parce que la texture est assez liquide. Donc du coup, ça ne gaine pas trop le cil. Et j'ai l'impression quand je l'utilise que mes cils partent un petit peu dans tous les sens. Mais cela dit, il est quand même très noir, il se voit, c'est pas, voilà, c'est pas une catastrophe. Par contre, sa grosse brosse pour les cils du bas, c'est vraiment très très difficile à utiliser, surtout si vous avez comme moi des petits cils du bas, voire même si vous avez des longs cils, bah, vous allez vous en foutre partout. Donc voilà, c'est problématique quand même ce genre de grosse brosse, il faut vraiment aimer ça ou alors ne se mettre du mascara que sur les cils du haut. En revanche, celui-ci est parfait pour les cils du bas, j'ai envie de dire, mais vraiment pas pour les cils du haut parce que la brosse est vraiment trop petite. Du coup, on n'attrape pas énormément de produits. C'est très compliqué de travailler les cils du haut avec cette toute petite brosse, mais pour les cils du bas, c'est plutôt pas mal. Maintenant, pour avoir déjà testé ce genre de petite brosse, je pense que c'est pas la meilleure, la meilleure formule. J'avais testé notamment, je crois que c'est chez Essence que j'en avais testé un tout petit comme ça. J'ai fini par le donner à ma mère parce que justement ma mère aime bien les toutes petites brosses pour travailler les cils du bas. Mais il marquait mieux que celui-ci. Celui-ci, en fait, bon, je le trouve un petit peu gadget. Ça marque un petit peu les cils du bas, mais c'est pas folichon non. On revient donc au pinceau que j'ai testé et que j'ai approuvé. Alors là, c'est pareil. Ce sont des pinceaux qui, je crois, ne sont pas à 1€ à la base. Mais quand vous pouvez les avoir à 1€, la bonne nouvelle, c'est qu'ils fonctionnent très bien. Ils sont très, très doux. Alors, j'ai testé justement le Blending Crease Brush dans la gamme noire. Donc, je crois que c'est la gamme professionnelle qui fonctionne très, très bien. Qui est franchement, pour 1€, faut pas se priver. J'ai testé aussi ce petit pinceau teint biseauté pour le bronzer, pour le blush, même pour l'highlighter, il fonctionne. Il est très très doux. Il n'y a pas eu de souci au lavage non plus. Il n'y a pas de poils qui sont partis. Voilà, ça c'est... Comme je disais, quand on a des pinceaux à 1€ qui fonctionnent, c'est très bien. Et j'ai également testé le pinceau, donc pareil, de la gamme noire professionnel, le pinceau à blush qui fonctionne très très bien aussi, qui est tout doux, qui fonctionne aussi pour les petites zones sous les yeux, pour mettre sur la zone T. Rien à dire. Deux produits également qui fonctionnent, qui ne sont pas des coups de cœur, ce sont des produits teints. On a un blush d'un côté, donc ça c'est le blusher Nectar, donc c'était la collection Peach je crois. C'est un joli blush. Franchement, ils se font correctement. Il est pigmenté. Mais voilà, j'ai pas eu de coup de cœur plus que ça. La teinte est jolie. Et le bronzer. Alors, le bronzer, j'ai pris le Bronzing Powder Matte, en version matte. Je ne crois pas qu'il y avait des teintes. C'est de la marque Bis. Et je l'aime bien. J'ai pas trop de grief à lui faire, sauf peut-être qu'il est très poudreux. Il est quand même assez pigmenté, donc il faut faire vraiment attention quand on l'applique. Il faut vraiment bien tapoter le pinceau pour pas avoir une grosse trace sur la joue. Cela dit, vous verrez que quand on l'applique, même s'il y a une grosse trace, ils se font bien et je trouve qu'ils tiennent relativement bien, les produits teints. Je n'ai pas eu de soucis, j'ai gardé mon bronzer ou mon blush toute la journée. Donc, voilà, si vous pouvez l'avoir à 1€, je dis
Donc c'est pas mal. C'est une Encore quelques produits pour les yeux dans ma catégorie, ouais, mais c'est pas extraordinaire. Je vais vous parler de deux palettes. Donc j'ai la Peach 2, puisqu'ils avaient sorti une première édition. Et là c'est la Peach 2 qui se présente comme ceci. Avec lequel j'ai fait un look plutôt sympathique, mais elle ne m'a pas convaincue dans le sens où les fards lumineux ne sont pas très lumineux. Et pour le coup, j'ai essayé de les travailler avec un spray fixateur. Et une fois mouillé, j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup de matière sur la paupière. Donc, pas très joli au final. Cela dit, il y a quand même une bonne pigmentation. Et si vous aimez les fards légèrement satinés et non pas lumineux, ça peut vous correspondre. La palette Metals est une très jolie palette. C'est une palette dans les tons chauds, un petit peu avec du smoky, etc. C'est une palette de métallique. Alors, j'ai bien aimé travailler avec. J'ai trouvé que le rendu était correct, même si c'est pas du grand fard métallique. Mais le rendu est très correct. Mais ce qui m'embête un petit peu, c'est le fait qu'il n'y ait que des métalliques. Moi, j'ai finalement opté pour travailler un espèce de smoky quasiment avec une seule couleur. Bon, j'ai fait des petites choses, mais voilà, on ne peut pas non plus s'amuser trop avec une palette qui propose que des métalliques. La pigmentation est bonne, c'est pas trop poudreux, mais voilà, pour la Color Story, en fait, elle ne fait pas partie de mes chouchous. On va maintenant passer à mes chouchous, justement, parce que j'ai quand même eu de très très bonnes découvertes. Et la première des choses, c'est un fond de teint. Alors, c'est pas du tout un fond de teint pas cher, parce que le fond de teint, c'est de la marque Belle. C'est le Nude Liquid Powder Intense Cover, donc tenue 10 heures de chez Belle. Il est vendu 14,95€. Je vous invite, si vous voulez découvrir ce fond de teint, à attendre des promotions, puisqu'il y en a régulièrement sur le site BIS. Encore une fois, abonnez-vous à la newsletter ou suivez-les éventuellement sur Instagram. C'est là où vous avez les informations quand il y a des promotions. Alors, j'ai pris quelle teinte ? J'ai pris la Natural, la 03. Je vais commencer par les points les plus négatifs. Il y a, je crois, 4 ou 5 teintes. C'est tout. Donc ça déjà, c'est la pire des choses, parce que effectivement 4 ou 5 teintes, enfin voilà, c'est plus possible aujourd'hui. Mais cela dit, c'est un très bon fond de teint. Je n'aime pas non plus trop le système de pipette, mais ça c'est purement personnel. Par contre, je trouve qu'il a une très bonne couvrance, moyenne, mais une jolie couvrance. Et surtout, un effet mat poudré que j'adore. Alors au début, j'étais un petit peu sceptique. J'ai même demandé autour de moi si ça faisait pas trop mat. Et on m'a dit que non, on m'a dit que le teint était joli. Il a une très bonne couvrance, un effet mat poudré que j'aime beaucoup et qui met bien en valeur ma peau. Pour le coup, en général, c'est pas trop le cas avec les mats poudrés. Il a une excellente tenue, c'est-à-dire qu'il reste en place du matin jusqu'au soir, que ce soit poudré ou non poudré, parce que je l'ai utilisé poudré, non poudré, avec ou sans base, avec ou sans fixateur. Et quoi qu'il arrive, il tient très bien. Sur ma peau, je vous rappelle, normale, légèrement déshydratée, mais on va dire en ce moment normale. Donc, je suis ravie. Je trouve vraiment que c'est un très très bon produit à petit prix. Alors, petit prix, on s'entend, 15 euros, pour moi, c'est pas tant un petit prix. On peut avoir un fond de teint Sephora à 15 euros. On peut avoir de bons fonds de teint, voire même beaucoup moins cher chez Revolution. Mais voilà, il méritait quand même sa place dans mes favoris parce que j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Ils se font très très bien à la peau, ils s'estompent très très bien. Voilà, j'ai vraiment pas, mis à part le fait qu'il n'y ait que 4 teintes ou 5 teintes de proposer sur le site, je n'ai vraiment rien à lui reprocher. Et si vous l'avez genre à moins 50%, à 7 euros, ça vaut largement le coup.
J'ai été très étonnée de cette petite palette de blush crème. Donc, ça s'appelle la Crème Blush Palette. C'est la 01, la Petal Pathway, qui se présente comme ceci dans les tons un peu et corail et vieux rose. J'ai beaucoup aimé travailler ces fards à joues crème. Je les ai trouvés très pigmentés. Donc, toujours, je les ai travaillés au stippling brush ou au beauty blender. Ça se travaille très bien, ça se fond très bien, ça tient très bien. La texture est un peu épaisse, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut les travailler au beauty blender, pas au doigt, parce que vous allez avoir un petit peu trop de matière au doigt. Mais ça se fond très bien et surtout, ça tient très bien. J'ai été vraiment étonnée. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé cette petite palette. Donc, si vous avez l'occasion de l'avoir à 3 euros, je crois qu'à la base, elle coûte 3 euros ou 4 euros. Mais à 1 euro, ça vaut largement le coup. Je crois même que je la préfère à celle de chez ELF, qui est beaucoup plus chère, je crois, puisque pour 4 couleurs, on tourne aux environs de 10 euros la palette. Donc, mention spéciale pour cette petite palette de blush crème, si vous aimez les blush crème, bien évidemment. J'ai deux accessoires à vous présenter. La première des choses, c'est ce petit nettoyeur, éponge nettoyante à pinceau que j'ai eu pour 1 euro. Et ça, franchement, on aime toujours en avoir d'avance et le système est plutôt pas mal. Alors moi, ce que je fais quand j'utilise ces produits-là, c'est que je rajoute un nettoyant désinfectant dedans. Je trouve que c'est quand même un petit peu mieux, mais il fonctionne à sec également, sans souci. Et un autre petit produit, alors là c'est pareil, à 1 euro ça valait le coup, j'en ai pris deux directs, même sans savoir quelle était la qualité, mais pour le coup je suis ravie de la qualité. Ce sont des petits gants nettoyants. Alors vous savez que j'utilise ce genre de choses et j'adore ce format en fait, qui est ni trop grand ni trop petit, que l'on peut mettre facilement dans la main pour se nettoyer le visage. Et ils sont d'une douceur, mais c'est vraiment un bon plan. Je ne sais pas non plus s'ils sont vendus 1 euro à la base. Moi, je les ai eus pendant à ma dernière commande, là. Mais ils sont trop bien. Si un jour, ils refont cette promotion, je m'en prends 10 direct. Et pour finir, mes deux coups de cœur, mes deux chouchous palettes. La première, il s'agit de la Berries 2. Donc, comme quoi, vous voyez, c'est pas forcément une question de collection, puisque ça fait partie de la même collection que la Peach 2. Et pourtant, celle-ci m'a beaucoup plus plu. Déjà d'une, j'aime beaucoup la Color Story, qui est dans les tons framboise. Alors, il y a deux très jolis fards foncés mat. Le noir est extrêmement noir et se travaille très bien. Le marron est très très beau également. On a cette petite couleur taupe violine magnifique. Franchement, les couleurs de cette palette sont très très belles. Se travaille très bien. Et j'ai trouvé, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai trouvé que les fards irisés étaient un petit peu plus lumineux que dans la Peach. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a attiré mon attention. J'ai fait un joli look avec et j'ai été ravie. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce phare-là, qui est magnifique. Et j'ai trouvé également que les phares mat étaient moins poudreux que dans l'autre. Donc, est-ce que j'ai yoyoté ou pas? Mais en tout cas, à l'application, j'ai préféré travailler cette palette-là. Et au niveau du rendu, j'ai vraiment préféré ce rendu-là. Donc, chouchou. Et la dernière palette qui m'a vraiment impressionnée et avec laquelle j'ai trouvé que c'était très facile de travailler, c'est la palette avec laquelle j'ai fait le look aujourd'hui. Et il s'agit de la palette Rebelle. Alors déjà, le packaging, je le trouve génial avec ces petits picots là. Donc c'est toujours les boîtes en métal, mais c'est surtout la Color Story qui m'a interpellée. On est dans une palette original dans les couleurs qui fonctionne très très bien. Cette partie là est extrêmement belle, le vert, le kaki, le jaune doré, le gold, même l'illuminateur ici est très très bien. J'ai travaillé aujourd'hui avec cette partie là et les gris. J'ai adoré travailler avec cette palette
et les couleurs sont vraiment vibrantes. Rien à redire sur cette palette. Et pour tout vous dire, cette palette en fait m'avait été offerte dans une de mes commandes, puisque lors des soldes d'hiver de l'année dernière, je crois, ouais, ça doit être ça, en fait, Biz proposait un article acheté, un article offert. Voilà, donc on avait 50% en gros. Et donc j'avais pris 4 palettes, et parce que ma commande atteignait un certain prix, j'avais eu cette palette en cadeau. Mais quel beau cadeau! Franchement, j'adore cette palette. Je trouve que les fards sont très très pigmentés. Ils se travaillent bien. Ils sont un peu poudreux, c'est vrai. Le fard sexy là, celui-ci, et effectivement a été un peu a fait des chutes, mais au final, comme mon teint était assez bien poudré, c'est parti sans faire de traces, etc. J'ai beaucoup aimé cette teinte là que j'avais fait dans mon premier look. Je vous assure que c'est une très très belle palette. Alors, est-ce qu'elle vaut ses 12 €? Je dirais oui, parce que franchement, la Color Story étant tellement originale que j'ai pas cherché non plus, mais je trouve que Biz est la seule marque qui propose ce genre de palette à ce prix-là. Elle m'a fait penser un petit peu à la Alien, même si ça n'est pas du tout les mêmes fards. Mais voilà, dans son originalité, dans cette recherche de nous proposer quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'elle est dans mes tops de la marque sur la totalité de ses tests. Voilà, ma revue est terminée. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais en même temps, quand il y a des marques qui proposent des petits prix en make-up, en soins, etc., je mets un point d'honneur à essayer les produits déjà d'une et à vous faire un retour, parce que on est bien d'accord que tout le monde n'a pas le portefeuille de Rothschild pour acheter des produits Natasha Denona ou Anastasia Beverly Hills, etc. Et que si on peut trouver quelques pépites dans ces marques, bah pourquoi pas. Alors au niveau technique, il y a, je crois, une gratuité des frais de port au-delà d'un certain montant, ou en tout cas en livraison mondiale relais. C'est toujours bon à prendre. Je pense que pour ce genre de site, le mot d'ordre, c'est de vous abonner à la newsletter et de voir ce qu'ils proposent. Et le jour où ils proposent vraiment une bonne promotion, bah pourquoi pas vous lancer, comme je l'ai fait, et découvrir des petites choses de la marque. Clairement, je trouve le packaging... Alors, je sais qu'il y a ce genre de palette chez Action que je n'ai pas testé. J'ai testé une palette pour le teint avec des blushs, etc., qui, ma foi, pour le prix, était très très correcte. Donc bien en dessous quand même du prix de Biz. Je sais que certaines parlent des palettes pour les yeux, notamment une palette avec des fards métalliques, etc. chez Action, qui coûte voilà, 2-3 €. Je n'ai pas testé, je ne peux pas vous dire si ça vaut autant la peine. Mais en tout cas, voilà. Sachez que il y a des jolies choses chez Biz Maquillage, donc si vous connaissez et que vous avez vous aussi des pépites ou des flops, n'hésitez pas à partager en commentaire. J'espère que cette revue vous a plu. Je vous dis bien évidemment à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.